Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Cette vidéo fait suite à la première vidéo reprise d'équilibre après la frappe. D'ailleurs, je vous indique le lien dans la description. Un bon équilibre est essentiel afin de pouvoir s'exprimer dans les meilleures conditions. Vous pouvez avoir la meilleure technique possible. Sans ancrage, vous ne serez jamais serein à la frappe. Il s'agit de la position la plus adaptée à la bonne exécution de tous vos coups. Vous allez le comprendre immédiatement en effectuant le test suivant. Délimitez une zone sur le court plus ou moins étendue en fonction de votre niveau. Placez-vous dans l'autre moitié du terrain sur la ligne de fond. Prévoyez quelques balles pour régler la mire. Puis, prenez 10 balles et visez la zone en gardant votre stabilité du début à la fin de la frappe. Comptez le nombre de balles qui parviennent à atterrir dans la zone déterminée. Puis faites le même exercice, mais cette fois-ci en trottinant. Chacune des frappes doit s'effectuer en pas de course latéral, vers l'avant en diagonale, puis vers l'avant. Évaluez le taux de réussite entre les deux séquences. En général, le taux d'échec est de 30% supérieur lors de la phase 2, c'est-à-dire lorsque vous êtes en déséquilibre. Vous devez donc éviter les turbulences pour optimiser vos chances de réussite. C'est donc une évidence. Une bonne stabilité à l'impact est synonyme de précision et de contrôle. Cette position fait partie des vérités du tennis. Donc prenez une photo mentale de cette sensation. Lorsque vous jouerez à l'entraînement la prochaine fois, faites une série de frappes en étant ancré et en conservant une seconde cette assise afin de réaliser si votre équilibre est correct. Beaucoup de joueurs ne parviennent pas à conserver leur équilibre à cet instant. Deux notions importantes. Pour avoir toutes vos chances de parvenir à cet état, il faut démarrer rapidement votre course dès la lecture de la trajectoire. Il faut également ralentir votre course à l'approche de la frappe pour ne pas être emporté par son élan. En extrapolant, voici ce que le bouddhisme évoque de l'ancrage. S'ancrer, c'est guérir de ses angoisses, calmer ses pensées, reprendre confiance, lâcher prise, récupérer son énergie, se sentir responsable. Ces bénéfices vous permettront de faire face aux difficultés avec plus d'aplomb et de solidité. Comme vous le comprenez, les bienfaits de l'ancrage ne se résument pas seulement à un bon placement. J'ai en souvenir des matchs où mon ancrage était si puissant sur chaque frappe que je me sentais imbattable. Lorsque vous ressentez votre ancrage, vous êtes dans la vérité du tennis. Votre confiance est alors au maximum. Il est rare d'entendre parler de sensations pour un placement. Eh bien, détrompez-vous. Faites cet exercice tout simple, les appuis exagérément écartés en position statique. Fermez les yeux quelques instants pour un meilleur ressenti. Conservez cette position une trentaine de secondes et répétez-la plusieurs fois par jour. Outre le fait de gainer les quadriceps et d'effacer les sensations de fatigue en match, cet exercice permet à l'ancrage de s'inscrire dans vos sensations corporelles. Observez ces top players, ils sont toujours en recherche d'ancrage à la frappe. Cela leur permet de dérouler leur technique gestuelle de façon sereine. Alors, comme vous le constatez, leur ancrage dure l'instant de la frappe et ils entament immédiatement leur replacement. Vous observez également que la position fléchie des jambes va donner de l'impulsion à la frappe et dynamiser le replacement. Concernant le débat sur les différents appuis en coup droit, ouvert ou en ligne, votre priorité doit se situer sur la notion d'ancrage. Si vous souhaitez en quelques heures franchir 10 paliers tennistiques, contactez-moi par mail, par téléphone ou à travers le formulaire de renseignement pour une séance de coaching privé. Je vais vous accompagner pour vous permettre de grimper de plusieurs classements en quelques tournois grâce à mon coaching favorisant l'Insight. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube pour être averti de la nouvelle vidéo hebdomadaire dès qu'elle est diffusée et à ma liste de privilégiés en haut à droite en cliquant sur le « i » pour recevoir des vidéos et des offres exclusives. À tout de suite !